Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à votre étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue au Seigneur pour ce qu'il nous enseigne. Nous sommes maintenant dans un moment critique, c'est-à-dire que nous nous approchons de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. En fait, dans l'Écriture, dans l'histoire, dans tout ce que nous étudions, voyant la crucifixion de Christ, la nuit de ce que nous étudions, il sera crucifié. Et nous devons prendre cela à cœur et bien suivre. Que le Seigneur vous bénisse comme nous étudions ensemble. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci de nous avoir accordé l'occasion de regarder, d'observer, de voir encore et de voir la trahison du Seigneur Jésus-Christ comme il mène, cela mène, comme le traître le mène à la croix. Nous prions que ta parole pénètre dans chaque cœur et que tu nous montres ce dont tu as souffert pour nous, ce que tu nous as donné. Et comme une résultante, nous demandons que tu nous aides à ne pas prendre ta parole pour acquis, mais que nous voyons comment nous pouvons nous consacrer, nous laisser à toi, parce que c'est par l'amour de Christ que tu as tout fait pour nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et ce soir, cette nuit, nous allons voir Marc 14 et nous lisons du verset 43 au verset 52. C'est au sujet de la trahison de Christ, la trahison du prince de la paix. Marc 14, verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée et d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Verset 44 dit: celui qui le livrait, c'est-à-dire Judas Iscariot, leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Verset 45. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant: Rabbi, et il le baisa. 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. 47. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 48. Jésus, prenant la parole, leur dit: regardez son courage, regardez sa confiance, regardez la façon dont il s'était calmé pour porter tout. Jésus, prenant la parole, leur dit: vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. 49. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Verset 50. Alors, nous allons voir tout ce que les disciples avaient fait, ces disciples qui avaient promis de faire allégeance à sa vie, qui vont aller jusqu'à la mort. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. 51 dit: un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ce sont les versets que nous allons examiner ce jour. La trahison du prince de la paix. Bien sûr, vous savez que Christ est appelé le prince de la paix. Nous allons Ésaïe 59, verset 5 dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ que un enfant nous est né, un fils nous est donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis il s'est dit que la domination reposera sur son épaule. C'est à venir, c'est au second avènement de Christ, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et il est le prince de la paix. Verset 6 dit, et donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il est le prince de la paix, celui qui est venu nous procurer la paix afin que nous ayons la paix en nous, la paix dans le cœur, la paix dans notre esprit, la paix autour de nous, la paix dans notre famille, la paix avec Dieu et la paix comme nous avançons dans la pureté de cœur jusqu'au dernier jour. La trahison du prince de la paix. Nous allons voir trois points aujourd'hui dans le passage d'étude. Numéro un, c'est la trahison par le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Deux, c'est la violation de l'écriture malgré la prohibition. Le Seigneur a prohibé, il a défendu, il a interdit, l'écriture a interdit cela, mais il est allé à prendre l'épée pour couper l'oreille de quelqu'un. La violation de l'écriture malgré la prohibition. Et troisième point maintenant, c'est le fondement de la soumission du prince. Pourquoi Christ s'est-il soumis? Pourquoi s'était-il livré à eux comme ça? Pourquoi s'est-il laissé à ces gens après le fondement? Nous allons voir le fondement de cette soumission du prince de la paix. Nous allons voir le premier point. La trahison par le fils de la perdition. La trahison par le fils de la perdition. Allons voir Marc 14, verset 43. Aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, qui est le fils de la perdition, l'un des 12, et avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. 44 nous dit, celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Il a dit dans le verset 45. Au verset 45, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus. Vous voyez? Parce que c'est la nuit, les autres et les gens ne seront pas en mesure d'identifier Jésus. Il y a d'autres disciples avec lui, les 11 avec lui et Christ avec lui. Et ils vont aller là-bas cherchant Christ. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Et alors, ils ne voulaient pas qu'il s'échappe, et à cause de cela, il faut qu'il ait quelqu'un, un guide, pour leur montrer, pour leur doigter. Et c'est dit que il s'approcha de Jésus disant, Rabbi, il le baisa. C'est le signe qu'il leur avait donné dans le verset 46. Au verset 46, c'est dit, alors ces gens mis la main sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, et le saisit. Pourquoi disons-nous que c'est la trahison par le fils de la perdition? Voyons Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun de ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Voici
Jésus maintenant a appelé le traître le fils de perdition. Nous allons voir les caractéristiques maintenant de ce fils de perdition. Nous allons voir les qualités de ce fils de perdition. Et nous allons voir numéro 1, la prudence pour le traître. La prudence pour le traître. Il a trahi le Seigneur, mais ce n'était pas sans prudence. Le Seigneur l'avait averti. Voyons Marc 14, 21. Marc 14, 21. Voici la prudence. Le Seigneur a donné cette mise en garde dans d'autres écritures. Marc 14, 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ça, c'est la mise en garde. Le Seigneur lui a dit, il y a quelqu'un qui va me trahir, il y a quelqu'un qui va me montrer à l'ennemi, il y a quelqu'un qui va me livrer à l'ennemi pour me tuer. Mais malheur à cet homme, parce qu'il est mieux que cet homme ne soit né. Alors, la deuxième chose, c'est la cupidité du traître. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Pourquoi a-t-il trahi le Seigneur Jésus? C'est à cause de sa cupidité. Nous allons à Matthieu 26. Matthieu chapitre 26 et verset 15 qui dit... Et il dit, que voulez-vous me donner, je vous le livrerai. Voici Judas Iscariot qui négociait avec les anciens, avec le Sanhédrin, avec les sacrificateurs, avec les juifs, que je peux le faire, je peux vous le livrer. Et il dit, mais que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Rentre à Judas Iscariot. En Israël, 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave et non le prix d'un maître. Voilà la contradiction. Il allait vendre le Seigneur Jésus-Christ, son maître, au prix d'un esclave. Il est venu, Rabbi, Rabbi, et il a baisé. Cependant, le prix qu'il a négocié avec ses anciens, alors c'est le prix d'un esclave. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. C'est l'attitude des cupides. À cause de sa cupidité, alors il a cela en esprit. Tout message que Jésus prêchait, toutes les autres choses que disait Jésus, ne prêtait pas attention. Et il cherchait l'occasion où il livrera le Seigneur. Voilà numéro 3 maintenant, c'est la conduite du traître. Lorsque quelqu'un a déjà décidé qu'il va trahir un ami, qu'il va trahir un voisin, qu'il va trahir quelqu'un entre les mains des gens qui vont le tuer, le détruire, et a déjà l'esprit résolu qu'il aura un gain de ceci, il aura de l'argent de ceci. Alors, quelle sera la conduite d'une telle personne? Nous allons à Matthieu 26, 48. Matthieu 26, verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Et dit, vous devez le saisir parce qu'il a le pouvoir. Il peut s'évader. Et dès qu'il s'évade, alors vous n'allez pas me donner ce que j'ai conclu avec vous. Donc, ce ne sera pas ma faute. Moi, je vais le baiser, vous le montrer. Et c'est à vous de le saisir. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Verset 50. Jésus lui dit, « Mon ami, tu devais être un ami, tu devais être un compagnon. » Cependant, en tant qu'ami, il aimait l'argent plus qu'il n'aimait Jésus le Seigneur, son compagnon, celui qui lui a donné
tout ce qu'il avait donné. Vous savez, Jésus les a envoyés deux à deux. Il était l'un d'eux. Il lui a fait des dons. Il lui a donné des dons de guérison, des dons pour réussir dans le ministère. Et Jésus lui a dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avançaient, mis la main sur Jésus et le saisirent. Il agissait comme un ami, il parlait comme un ami, alors qu'il était un ennemi. Alors il s'était un ennemi cordial, un ennemi qui agissait comme un ami. Nous allons voir ce qui suit, qui est la cohorte du traître. Et les gens qui l'ont accompagné, les gens qui sont venus avec lui et qui sont venus apprêter pour arrêter Jésus de force, de toute manière. La cohorte, la compagnie, les compagnons du traître. Marc 14. Marc chapitre 14, verset 44. Cela nous parle des gens qui ont environné Judas Iscariot, et celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Voyons Jean 18. Verset 5, Jean 18, voit le verset 5. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Pouvez-vous imaginer cela? Il a changé sa compagnie. Il n'était plus en compagnie avec les autres disciples. Maintenant, il travaillait avec la cohorte, avec la compagnie, avec ceux qui vont arrêter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui le livrait était avec eux. Maintenant, nous avons maintenant le numéro 1, c'est la mise en garde. Alors, le numéro 2, c'est la sacrificité. Le numéro 3, c'est la conduite. Le numéro 4, c'est la cohorte. Et le numéro 5, c'est la consultation avec le traître. Au fait, alors, il a consulté ceux qui voudraient Jésus, ceux qui voudraient que Jésus soit trahi, ceux qui voudraient arrêter Jésus, ceux qui voudraient crucifier Jésus. Voilà la consultation qu'il avait tenue avec eux. Matthieu 26, verset 2 qui dit, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Ici, le verset 3 nous dit, « Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. » Verset 4. « Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, par malice, par hypocrisie, par dissimulation, et de le faire mourir. » Pouvez-vous penser d'un véritable disciple, de celui qui suit Jésus tout ce moment, qui consulte maintenant ceux qui veulent tuer Jésus, ceux qui veulent crucifier Jésus? C'est ce qui était arrivé, la consultation avec le traître. Voyons Luc 23. Vous allez voir pourquoi ceci est arrivé. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariot. Satan était entré en lui et l'a poussé et l'a propulsé vers les gens qui vont faire la volonté de Satan. Et or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. Verset 4 dit, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes
sur la manière de le leur livrer. C'était une action préméditée. C'était pas quelque chose qui est venu qui est venu impromptu sur lui. Il ne sait pas comment faire. Alors, il est allé consulter ces gens. Il est allé négocier avec les sacrificateurs, les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus. Voilà le verset 5. Verset 5 qui dit, ils furent dans la joie, ils étaient contents que la voie leur est maintenant ouverte. Maintenant, ils voudraient l'arrêter. Comment l'arrêter maintenant? Et quelqu'un, un voisin s'est présenté, un ami à lui, un disciple à lui est venu, disant que je peux faire l'œuvre là. Oh, c'est un jeu très sale, je peux le faire. C'est un jeu meurtrier, je peux le faire. Et puis, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. N'est-ce pas un adoucissement? N'est-ce pas un homme foi, un homme méchant, un homme cruel qui s'est livré à faire pareille chose? Le numéro 6 maintenant, c'est l'endurcissement du traître ou l'endurcissement du traître. Et il haïssait Christ avant de pouvoir le trahir. Il dit, maître, Seigneur, oui, mon berger, et néanmoins, il a la haine dans le cœur. Il aimait l'argent plus qu'il n'aime le Seigneur. Il aimait l'argent plus qu'il n'aimait le Seigneur. La trahison ne se limite pas à Jésus ni à Judas Iscariot. La trahison ne se limite pas au niveau du fils de perdition. Jésus a dit que au temps de l'avènement de Christ, il y a des gens soit qu'ils cherchent de l'argent ou ce qu'il faut manger, soit qu'ils soient des dénonciateurs, des sycophantes. Jésus a dit que beaucoup seront ceux qui seront scandalisés, ils seront scandalisés à la sainteté, à la consécration, à la position non compromettante du croyant. Et il s'est dit que beaucoup de faux prophètes arriveront et séduiront beaucoup de personnes. Beaucoup de faux prophètes arriveront et séduiront beaucoup de personnes. Il y aura la séduction, il y aura l'hypocrisie. Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais Jésus a dit que verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Si l'amour de Judas Iscariot ne s'était pas refroidi, il n'y a pas de moyen pour lui de trahir Jésus. Son amour s'était évaporé. Son amour s'est refroidi. C'est à cause de cela qu'il a fait ce jeu sale pour trahir son maître entre les mains des cruels pour le crucifier, pour le tuer. La même chose s'applique lorsque votre amour se refroidit, que vous pourrez faire ce qui est une œuvre de trahison et livrer un enfant de Dieu entre les mains des ennemis. La trahison ne s'arrête pas à ce moment-là. Pourrais-je vous le dire? La trahison n'a pas commencé en ce temps-là. La trahison a commencé et continué comme ça. Voyons, 1 Chronique 12, et lisons verset 14 qui dit, c'est 1 Chronique 12, verset 17. David est sorti au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper,
au profit de mes ennemis. Quand je ne commets aucune violence, il dit que vous voulez que je fasse un progrès, vous voulez que je sois sauvé, sécurisé, mon corps sera avec vous, je serai uni avec vous. Mais d'autre part, si vous venez comme un ami, si vous venez comme celui qui aide, si vous venez comme un supporteur et vous venez pour me trahir à mon ennemi, et voyez qu'il est, tu vois que. Et, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. La trahison ne s'était pas arrêtée au niveau de Jésus-Christ. Et au temps de Judas Iscariot, cela a commencé. Et de ce que Judas a fait, la trahison va continuer jusqu'au dernier jour. Voyons 2 Timothée, 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 1, 2 Timothée 3, 1, qui dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Verset 2. Et les derniers jours, les jours où nous vivons avant l'avènement de Christ, il y aura l'enlèvement après la grande tribulation et puis il y aura le second avènement de Christ. Avant que tout cela n'arrive, c'est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, c'est pourquoi ils vont trahir, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Vous voyez, l'amour qu'un frère doit avoir pour un frère, l'amour qu'une sœur doit avoir pour une sœur, l'amour que les enfants doivent avoir pour les parents pour leurs enfants, alors il n'y aura pas cette affection naturelle. Et l'amour qu'un homme doit avoir pour un humain, l'amour qu'un ami doit avoir pour un ami, et que dans les derniers jours, toutes ces choses seront à l'envers. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voyez verset 4 maintenant, qui dit, verset 4 dit, traître. Tu quoi? Traître, traître, un traître, celui qui trahit, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le Seigneur a donné la mise en garde. Le Seigneur a révélé la cupidité du traître, la conduite, le style de vie du traître, et l'a révélé la cohorte et la compagnie et des gens autour du traître, et la consultation avec le traître, et l'endurcissement de la cruauté et du cœur froid du traître. Et maintenant, la condamnation du traître. On va à Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. C'est-à-dire, il regretta, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il ne pouvait pas dépenser l'argent, c'est l'argent de sang, c'est l'argent qu'il a acquis par la trahison. Il n'a pas pu dépenser l'argent, c'est l'argent qu'il a reçu en voulant que son maître, son berger, le prince de la paix, soit tué. Alors il a ramené les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, en disant, j'ai péché. Était-il pardonné? Il n'a pas confessé cela à Christ. Il n'a pas confessé ça à Dieu. Si nous confessons nos péchés à Dieu et que nous en détournons, alors il est miséricordieux et juste pour nous pardonner. Mais si vous allez vers les gens qui voudraient crucifier le Seigneur, tu dis que j'ai péché, que j'ai trahi le sang innocent, alors vous êtes tous coupables. Comment un pécheur peut pardonner à un pécheur? Comment un pécheur peut offrir le salut à un pécheur? Comment un pécheur cruel, un religieux cruel, comment peut-il accorder la rédemption à un autre pécheur? Il a confessé aux mauvaises personnes. Si vous serez pardonné, vous devez confesser vos péchés à Dieu. Vous confessez vos péchés à celui qui vous a promis de vous pardonner. Mais Judas Iscariot, de son cas, pour lui de dire que j'ai péché en livrant le sang innocent, ils répondirent, que nous importe? Il est innocent. Que nous importe? Il est saint. Que nous importe? Il est fils de Dieu, que nous importe.
Et vous êtes, toi, tu es rétrograde, vous êtes rétrograde. Que nous importe, tu te sens culpabilisé, condamné. Que nous importe, tout ce que tu fais avec ta vie, va. Que nous importe, cela te regarde. Qu'est-ce qui t'est arrivé après tout? Verset 5, il dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Cela brûlait sa main. Cela brûlait son cœur. Il ne pouvait pas saisir. Il ne pouvait pas avoir l'argent dans sa main. Il y a les gens qui vendent les autres, les gens qui trahissent les autres, les gens qui séduisent les autres pour avoir leur argent. C'est un argent qui va brûler votre âme. C'est l'argent qui va brûler votre esprit. Et c'est l'argent qui va brûler éternellement de pour toujours. Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Il se retira et alla se pendre. Voyons, acte 1. Acte des apôtres. Chapitre 1:16. Acte 1:16, homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17. Il était compté parmi nous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il était le numéro 12. Il était compté parmi nous en tant qu'apôtre, en tant qu'un disciple engagé, consacré. Il était compté parmi nous pour prendre la parole de l'évangile et avoir un ministère et aller dire aux pécheurs que le pécheur doit se repentir. Le pécheur doit se repentir. Et il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Verset 18, on dit cet homme, Judas Iscariot, et ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et lorsqu'il a commis le suicide, s'est rompu et par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Verset 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. Tout le monde l'a appris. C'était un avertissement. Il ne faut pas être traître. Chaque maison en parle. Cet homme, Judas Iscariot, le Seigneur l'a averti. Et néanmoins, il a trahi son Seigneur. Regardez ce qui lui était arrivé. Et que je ne serai pas traître. Je ne serai pas traître. Oui, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue à Kedama, c'est-à-dire chant de sang. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Voilà le verset 25. Verset 25, la dernière partie du verset 25. Cet apôtre-là que Judas a abandonné pour aller. Cet apôtre-là que Judas a abandonné. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Pour aller en son lieu. Le lieu que Kiron. Ceux qui ont trahi leur Seigneur. David a dit dans le psaume, voyons, psaume 41, psaume 41, la prophétie était là, l'homme l'a couru et rentré dans cela. Psaume 41, verset 10 dit, celui-là même, avec qui j'étais en paix. Jésus a dit cela, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et que cet apôtre-là, qu'une autre personne s'en charge. Et verset
Psaume 55 et verset 13, c'est la prophétie au sujet de Judas Iscariote. Psaume 55, 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'ai, verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal. On s'assied ensemble, on marche ensemble, on planifie ensemble, on remplit ce ministère ensemble. C'est toi que j'estimais ensemble, mon égal. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Cependant, Psaume 109 dit, en Psaume 109, verset 6, a parlé du témoignage, a parlé de son apostolat, de son châtiment, de sa condamnation, du jugement qui viendra sur Judas Iscariote et sur tous les traîtres impénitents. Psaume 109, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. On a lu ça, Luc 22. 3. Que Satan entra dans Judas. Satan l'a poussé. Satan l'a obligé. Satan l'a propulsé à faire ce qu'il a fait. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite lorsqu'il allait commettre le suicide. Qui l'a poussé, qui l'a obligé, qui l'a contraint à faire cela? C'est l'accusateur, c'est Satan qui se tenait à sa droite. Verset 7. Quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable, la condamnation du traître. Quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. J'ai péché que nous importe, même sa prière, sa confession, même son regret, il a tout regretté, tout cela est toujours péché. Le péché n'est pas effacé et que sa prière passe pour un péché. Verset 8. Que ses jours soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Ses jours sont nombreux mais coupés prématurément. Alors, que qu'un autre prenne sa charge. Deuxième point maintenant. Christ maintenant a été arrêté. Nous allons voir ce deuxième point qui est la violation de l'Écriture malgré la prohibition. Nous allons voir Marc 14, verset 47. Marc 14, verset 47. Un de ceux qui étaient là tirant l'épée frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Au fait, vous comprenez, il ne visait pas à couper la tête, mais c'est à couper l'oreille, mais laisse la tête. Le Seigneur Jésus a dit que veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ils ont beaucoup appris de Christ. Voyez, frères et sœurs, peu importe ce que nous apprenons de la part de Dieu, ce que nous écoutons de la part de Dieu, sans la prière, sans la vigilance, nous pourrons tomber dans ce que le Seigneur nous a déjà mis en garde. Alors, ici, nous voyons, c'est dit que un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est pourquoi Jésus a dit que mets ton épée dans le fourreau, parce que quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Et voyons, Genèse chapitre 9, nous allons voir le verset 6. Voici la mise en garde. Voici la prohibition. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Le Seigneur a dit que un homme ne doit pas tuer un autre homme par la haine, par vengeance,
par amertume. Et puis on note la vie d'une autre personne. Au commencement de la Bible, c'est ce qui est dû, c'est ce qui est dit. À la fin de la Bible, voyons maintenant Apocalypse chapitre 13, verset 10. Apocalypse 13, le même avertissement nous est parvenu. Apocalypse 13, 10, qui dit que si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience ou la persévérance et la foi des saints. La violation de l'écriture, la désobéissance à l'écriture, la contradiction des écritures, malgré la prohibition, malgré l'interdiction de porter l'épée pour tuer un voisin par la haine, par l'amertume, par la vengeance, par les représailles. Nous allons voir trois points ici. On voit les armes charnelles utilisées par un guerrier qui ne prie pas. Ouais, il est prêt à se battre, il est prêt à se mettre en combat. Néanmoins, il portait des armes charnelles, quoiqu'il ne prie pas. Numéro 2, ici, la deuxième session de l'avertissement de Christ, c'est la mise en garde de Christ contre le combat interdit. 3, ici, c'est la vigilance empreinte de courage dans le siècle présent. La vigilance empreinte de courage dans le siècle présent. Voyons le numéro 1. Nous allons revenir à Marc 14 et nous lisons verset 47. Marc 14 et nous lisons le verset 47. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Voici ce que le Seigneur nous dit. Et 2 Corinthiens chapitre 10 et nous voyons le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 dit: si nous marchons dans la chair, qu'est-ce que cela veut dire? Comme vous vivez, vous marchez, vous allez par-ci, par-là, c'est votre chair. Et vous regardez devant vous, ça fait partie de votre chair. Vous écoutez le son d'une voiture qui klaxonne. Et vous êtes dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il y a des choses qui se produisent dans le monde naturel, mais on ne mène pas un combat selon la chair. Verset 4 qui dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Lorsque les choses se produisent, lorsque les choses arrivent à votre père, à votre mère, à votre patron, à votre seigneur, à votre maître, ne dégainez pas une épée. On ne fait pas usage des armes charnelles du monde. Lorsque quelque chose arrive à votre fils, à votre fille, et vous êtes père ou mère, vous n'allez pas en tant qu'un père, qu'une mère, vous allez prendre, vous allez serrer la ceinture, on fait quelque chose ici aujourd'hui, vous allez aller par-ci, par-là, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas invoquer le nom du Seigneur, nous ne pouvons pas vous accrocher à la promesse de Dieu. N'utilisez pas des armes charnelles pour résoudre vos problèmes. Nos problèmes sont spirituels. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Voici l'usage des armes charnelles. Ainsi, de 1 Corinthiens 6, 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il y a des gens qu'ils ont connu des problèmes et des défis, ou bien que ce soit au sujet de leur hébergement, que ce soit pour un bien terrien, ou bien au sujet de boulot, ou bien du mariage. Au lieu de prier et parler au Seigneur, au lieu de dire à Dieu que je sais que tu vas mener le combat pour moi, je sais que tu vas me donner mon droit, je sais que tu vas pouvoir à mes besoins, ils vont aller à la justice, que l'église, ou à laisser affaire d'église. Pasteur, oublie l'église. JS qui est JS, laissez JS, pasteur de groupe, oublie cela.
personne nationale oublie cela. Je vais au tribunal. Ceci là, on va traiter le cas là, à la justice. Mon frère et ma soeur, tu veux faire usage des armes charnelles pour résoudre tes problèmes. Le Seigneur dit ici, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Voilà le verset 2. Le verset 2 qui dit ici, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements au sujet du terrain, les moindres jugements au sujet du fait que tu as loué, tu as loué une maison, tu as loué ma chambre, j'ai loué, tu as amené ton enfant à mon école, tu n'as pas payé la scolarité, donc je vais t'amener au tribunal. Voici, entre les maris et femmes, parents et enfants, est-ce que êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, qu'est-ce que les choses de cette vie? Mariage et de cette vie, il n'y a pas de mariage au ciel. Qu'est-ce que les choses de cette vie? Acheter des terrains, c'est de cette vie, on n'achète pas de terrain au ciel. Il m'a triché, je vais faire ceci là. Voici la lettre d'emploi, il a contredit tout cela. Voici la contradiction des droits humains. Ça, c'est le monde. Et c'est dit que quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Alors, que tout ce qui se passe dans l'Église, ce sont des gens dans l'Église. Voyez, si vous avez un problème, réglez cela dans l'Église au lieu d'aller dans le monde et puis traduire les choses à la justice, que celui-ci m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc, on doit utiliser le droit humain pour s'en sortir. Verset 5 dit, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais verset 6 dit, mais un frère plaide contre un frère et une sœur plaide contre une sœur. Un ouvrier plaide contre un ouvrier. Et un dirigeant plaide contre un dirigeant, mais un prédicateur plaide contre un prédicateur, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, Verset 7 dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Il m'a volé. Oui, elle m'a volé. Oui, elle m'a fait ceci. Oui, je ne peux plus supporter cela. Il dit non, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas croyant. N'allez-vous pas au ciel? Est-ce que vous ne pensez plus au ciel? Alors vous voulez résoudre vos problèmes de façon mondaine, charnelle. C'est-à-dire, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oui, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ceux qui fraudent les autres, ceux qui trichent les autres sont des injustes, ceux qui oppriment les autres sont injustes. Et ceux qui font le mal et qui oppriment les autres et trichent les autres, c'est l'injustice. Et c'est dit, ne croyez pas que parce que la femme ne peut rien faire contre vous et l'homme ne peut rien faire contre moi, je ne vais même pas écouter même ces dirigeants, ces prédicateurs, ces pasteurs dans l'église. Alors un homme injuste, une femme injuste, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas.
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire ceux que les efféminés, on parle les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, il nous dit de ne pas faire usage des âmes charnelles et nous dit de retourner à Dieu, que Dieu résolve vos problèmes. Voyons l'avertissement de Christ. Nous avons, on va maintenant à la mise en garde de Christ contre le combat interdit. Nous retournons à Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Voici ce qu'il dit. Il dit, disciple, faut pas lutter pour moi. Faut pas utiliser des armes charnelles pour le combat pour moi. Si quelqu'un veut combattre pour vous, la personne veut combattre pour vous, on fait cela contre notre pasteur, on a fait cela contre notre dirigeant, on a fait cela à ce frère, à cette sœur, même quoi qu'il soit doux, quoi qu'elle soit douce, alors nous allons prendre le devant pour elle. Nous allons les amener à la justice. Il faut leur dire de ne pas mener le combat pour vous. Jésus lui a dit de remettre l'épée dans sa place, car celui qui tue pas l'épée périra par l'épée. Et c'est très instructif de voir ce que Jésus nous dit ici en Luc 22 et verset 49. Luc 22, 49, qui dit ici, ceux qui étaient avec Jésus voyant ce qui allait arriver dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? 50, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Il n'a même pas attendu une réponse du Seigneur. Verset 51 dit, Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Voyez ceci maintenant, c'est très instructif. Voyez ceci, c'est très intéressant. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Que cela soit une déception pour celui qui a frappé l'oreille, mais Jésus, au sein de cette persécution, au sein de cette trahison, au sein de cette injustice, il a continué de faire des miracles. Il a continué son ministère de guérison et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Il ne s'est pas fâché. S'était-tu fâché lorsque quelqu'un a fait quelque chose et puis quelqu'un, si tu n'es pas en mesure de te battre, tu vas faire usage de toute habileté qu'on va combattre pour toi. L'homme là veut te couper, ne t'en fais pas. On sait que tu ne vas pas te battre. Tu es de la vie profonde. Tu crois à tous les messages de la Bible que ton pasteur t'enseigne. Nous savons que tu vas seulement les laisser faire comme ça. Oh, ces gens-là, nous allons les prendre. Nous allons les surprendre, nous allons les tuer pour toi. Mais Jésus a touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Pourquoi a-t-il fait cela? Jean 18, verset 36. Jean 18, 36. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a mis ce disciple en garde. Nous sommes croyants, nous suivons Christ. Si quelque chose arrive, on doit être en mesure de dire que je ne suis pas de ce monde. Je ne vais pas mourir comme les gens du monde. Je ne vais pas sinon mener mes combats comme les gens du monde. Et je ne suis pas de ce monde. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, donc mes serviteurs auraient combattu pour moi. Lorsqu'on fait usage des armes charnelles, lorsqu'on fait usage des
des armes que les gens du monde utilisent pour tuer les autres. Il me persécute, je vais lui jeter quelque chose. Il est en train de me dénigrer. Moi, je vais utiliser quelque chose contre lui aussi, comme on fait dans le monde. C'est comme tu dis que tout ce que tu as, ton espérance, c'est dans ce monde. Mais Jésus-Christ a dit que si vous me suivez, vous allez faire ce que j'ai fait. Vous allez agir à la manière dont j'agis. C'est-à-dire, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le Seigneur veut qu'on soit très vigilant, vigilant sur nos sentiments. Lorsque quelqu'un nous fait mal, comment on ressent, comment nous nous sentons. Alors nous veillons sur nos sentiments, nous veillons sur nos actions. Lorsque quelqu'un nous fait mal et il veut nous crucifier, il veut nous trahir et la personne nous persécute, quel doit être mon acte, mon action, ma réaction? Je dois veiller sur mes actes, mes actions et mes réactions. Lorsque quelqu'un me fait mal, lorsque quelqu'un me blesse, lorsque quelqu'un que j'aime, comme celui qui a fait, qui a dégainé son épée en disant qu'il aime Jésus, que je ne vais pas permettre cela, que cela arrive à, je ne vais pas permettre à cela d'arriver à quelqu'un que j'aime. Lorsque quelqu'un que vous aimez, elle a blessé votre femme, il a fait mal à votre femme, il a parlé mal de votre femme, il a blessé votre mari, il a parlé mal de votre mari, et il a triché votre femme, votre mari, votre fils, votre fille. Et tu dis, mais comment on peut faire cela à ma fille? Comment on peut faire cela à mon fils? Allez, j'aime mon fils, j'aime ma fille. Alors, il faut veiller sur votre action, sur vos paroles, ce que vous allez faire. Alors, cela nous conduit à la troisième session de ceci qui est la vigilance empreinte de courage dans le siècle présent. S'il vous plaît, prêtez attention. Ne parlons pas de la vigilance empreinte de pusillanimité. Tu baisses la tête, tu vas comme une personne peureuse. Je ne peux pas parler, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Après tout, la Bible a dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Je suis sans aide, je suis sans secours, je suis pusillanime, je suis faible, je suis impuissant, je n'ai pas de force. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais cela, si j'agis, il va m'oppriser. Oh, ce n'est pas ça. Jésus-Christ était courageux. Il leur avait dit que vous venez m'arrêter quand vous venez vers un brigand, comme quand vous venez vers un voleur. J'ai prêché, j'étais avec vous, je prêchais la parole dans votre synagogue. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Et puis maintenant, l'heure des ténèbres est venue. Alors, il a levé sa tête, il a regardé que. Il a fait face à ce qu'il doit faire face, à ce à quoi il doit faire face avec courage. Nous, enfants de Dieu, lorsqu'on fait face à la persécution, à la souffrance, alors on ne veut pas dire que je suis courageux comme je suis vigilant comme un peureux. Non, on est courageux, on est vigilant avec on est courageux et on est vigilant. Quelque chose qui va arriver, alors vous n'allez pas sinon vous venger, mais vous êtes courageux. Vous n'allez pas sinon user de représailles, mais vous êtes courageux. Vous n'allez pas utiliser des armes charnelles, mais vous êtes courageux. Vous n'allez pas pleurer devant le diable ou bien devant les messagers du diable. Vous êtes courageux, mais vous êtes vigilant. La vigilance empreinte de courage dans ce siècle présent. Allons à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Nous lisons le verset 19. Verset 19 qui dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lequel, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Lorsque vous agissez bien, lorsque vous n'êtes pas en erreur, lorsque vous faites bien, lorsque vous souffrez, lorsque vous faites bien, lorsque vous faites bien, vous souffrez d'avoir bien fait, alors vous supportez cela et vous prenez cela avec courage.
Alors, c'est une grâce devant Dieu. C'est agréable à Dieu. Verset 21 maintenant nous dit. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ, Jésus-Christ aussi a souffert pour vous. Arrêtez-vous un peu si. Il n'a pas pleuré. Christ aussi a souffert. Arrêtez-vous un peu. Et il n'a pas dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment pouvons-nous négocier maintenant? On ne négocie pas avec Satan. On ne négocie pas avec les persécuteurs. On ne négocie pas avec les méchants. Et on ne leur paie pas leur monnaie. Et vous la priez, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que Jésus, avec courage, a fait face à ce qui lui est arrivé. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ces traces. Si vous êtes pusillanime, vous êtes faible, vous ne suivez pas ces traces. Si vous êtes con, si vous aimez être en confrontation, vous ne suivez pas cette trace. Si vous êtes compromettant, vous ne suivez pas cette trace. Si vous êtes écrasé, vous faites d'eau, vous ne suivez plus le Seigneur, vous ne suivez plus cette trace. Et si vous avez des conflits et vous voulez faire, vous voulez mener le combat avec l'épée et les armes charnelles, vous ne suivez pas ces traces. Si vous êtes énervé et vous dites cela contre vous, vous dites ceci contre eux, mais vous êtes. Mais lorsque vous êtes calme, lorsque vous êtes courageux, lorsque vous tenez bon et lorsque vous savez que vous suivez les Écritures et vous voulez que les Écritures s'accomplissent dans votre vie, c'est ainsi que vous suivez Jésus. Et c'est dit qu'il nous laisse un exemple afin que nous suivions ses traces. 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous n'allez pas péché. La persécution vient, vous ne péchez pas. La tentation se présente, vous ne péchez pas. Les épreuves sont là, vous ne péchez pas. La trahison se présente, vous n'allez pas pécher. Et c'est dit que lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. 23. Lui qui injurié ne rendait point d'injure. Lorsqu'il a été injurié, il ne rendait point d'injure. Le mari entre problème entre mari et femme. Le mari un problème entre mari et sa femme. La femme, le mari a dissocié cela devant la belle famille, devant ses parents. Et la femme qui parle toi maintenant et parce que lui a dit tant de, parce qu'il a menti sur mon compte, il a dit ceci contre toi et toi. Alors toi aussi tu vas mentir sur son compte et tout le cas est confus. Lorsque Christ était injurié, Christ ne faisait point de menace. Alors la qualité et la grâce de supporter. Et supporter le mal dans la souffrance. Et lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Et votre maître, votre maître vous a fait quelque chose. Tu dis que celui-là, tu m'as fait ceci là, tu vas perdre ton boulot. Christ n'a pas fait cela. Voici ton employeur. Tu dis que tu crois que tu peux faire cela? Faut pas le menacer. Je vais te montrer. Si tu menaces les autres et on dit que parce que je souffre, je vais te faire souffrir aussi. On ne suit pas Christ. Nous devons être courageux et vigilants sur notre tempérament, sur notre attitude, sur notre cœur. C'est dit que lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. Puisse le Seigneur vous accorder la grâce, puisse le Seigneur m'accorder de la grâce, afin que nous tous ensemble, nous puissions suivre le Seigneur sans regarder en arrière, sans user de représailles. Le Seigneur combattra pour vous. Alors, le Seigneur vous fera être ce que vous allez faire, ce qu'il veut que vous fassiez, vous allez faire, et vous ne devez pas, sinon, vous lever et faire usage des armes charnelles pour lutter. Nous allons maintenant au troisième point qui est le fondement de la soumission du prince. Nous allons voir Matthieu et Marc 14 du moins, Marc 14, et nous le voyons verset 48. Jésus prenant la parole leur dit,
Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Verset 49 qui dit, j'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est toujours l'attitude du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, notre exemple parfait. Les Écritures doivent être accomplies. L'Écriture doit s'accomplir. Et puis, verset 50 nous dit, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quel était le fondement de la soumission de Christ, le prince de paix, de la paix, le puissant prince, le puissant prince et le surnaturel prince. Numéro 1, nous allons voir la suprématie indomptable du prince surnaturel. Il a le pouvoir, il a l'autorité. Cependant, voici ce qu'il a fait. Il s'est soumis lui-même. Voici ce qu'il a fait en tant que prince. Je vois Matthieu 26. Matthieu 26, voyons, verset 53. On va voir son pouvoir, on va voir son autorité, on va voir son privilège. Et il dit que penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Et il peut me donner plus de 12 légions d'anges. Verset 54 dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. Parce que disait Jésus, il disait que j'ai des oreilles du ciel, j'ai les oreilles de mon Père, je peux prier mon Père et il peut me donner pas un ange, pas mille anges, et il peut me donner pas même une légion d'anges. Une légion d'anges, c'est plus de 2000. Et il peut me donner plus de 12 légions d'anges. Vous parlez de 1000 d'anges. Ouais, un seul ange dans l'Ancien Testament a tué 185 000 soldats dans une seule nuit. S'ils peuvent avoir 12 légions d'anges, vous pensez à ce qu'ils peuvent faire. Mais il dit que quoi que j'ai, oui, j'ai cette suprématie indomptable, ce pouvoir surnaturel, l'opportunité surnaturelle, cependant, je ne ferai pas cela. Je veux vous montrer quelque chose. Voyons Jean 18, 4. Jean, chapitre 18, lisons le verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Voyez ce courage, voyez ce calme. Regardez cette sénérité, cette autorité, ce courage, cet ado, cette assurance, cette puissance, cette confiance. Et il allait vers ceux qui voudraient l'arrêter. Qui cherchez-vous? Verset 5. 5 dit, et là lui répondirent, Jésus de Nazareth. Ouais. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombaient par terre. Sa présence a démontré la puissance du Tout-Puissant. Il l'abordait et dit, mais qui cherchez-vous? Il dit que nous cherchons Jésus. Et Jésus était là. Et aussitôt qu'il a dit cela, ils reculèrent et tombaient par terre. Il pourrait échapper et s'évader, mais n'a pas fait. Pourquoi? Parce que il s'est soumis lui-même. Il s'est livré lui-même. Cela a un objectif. Voilà la seconde session ici. C'est sa soumission indispensable malgré la puissance suprême. C'est sa soumission indispensable malgré sa puissance suprême. Voyons
Jean 10, voici, ici ça dit que il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et puis verset 17 dit, Jean 10, 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin je donne ma vie. Alors, il s'est soumis, il a donné sa vie, il a donné sa vie volontairement. Il n'était pas forcé de le faire. Et il s'est donné lui-même parce qu'il a pensé à votre salut plus que sa souffrance. Il a pensé à votre salut plus que son retour au ciel. Il vous élève de la dégradation du péché au trône des promesses de Dieu, à la puissance de Dieu. Il veut vous amener au ciel. Il pense à cela plus que sa souffrance. Et dit ici que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18 dit, personne ne me l'ôte, je la soumets, je la donne, c'est indispensable parce que je dois le faire. Et mais pour les péchés du monde, c'est pourquoi je l'ai fait volontairement. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même parce que c'est nécessaire. Parce que c'est indispensable. Et quoique j'ai la puissance pour m'en passer et que ces gens-là ne m'arrêtent pas, j'ai laissé cela de côté parce que j'ai le pouvoir de soumettre ma vie et de le reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous allons maintenant à la troisième partie qui surprend les autres. C'est le sacrifice indescriptible du sacrificateur solitaire. Marc 14, verset 50. Marc 14, verset 50. Qui dit, alors tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Pourquoi c'est écrit ici? Parce que tous les disciples avaient fait le vœu, même s'il nous faut mourir avec toi, cela n'importe pas, nous allons mourir avec toi. Tous se sont consacrés, mais ils étaient incompétents de pouvoir honorer ce vœu et cette promesse. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Et les jeunes, ouais, et ceux qui étaient venus arrêter Jésus ont vu le jeune homme là, mais et on se saisit de lui. Alors, verset 52 dit, mais il laissa son vêtement et se sauva tout nu. Il dit que pourquoi on nous enregistre ceci avec la passion de Christ, c'est-à-dire la souffrance, le sacrifice de Christ. Cela vous montre que Jésus a tout porté tout seul. Il est notre souverain sacrificateur. Il s'est sacrifié pour nous. Il a laissé sa vie pour nous. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de secours. Il n'a pas de défenseur. Il n'y a personne qui soit avec lui. Il est un sacrificateur solitaire. Il a fait le sacrifice tout seul. C'était un sacrifice indescriptible qu'il a fait en se donnant lui-même et en tant qu'un sacrificateur solitaire, celui qui s'est donné lui-même pour nous tout seul. Alors soulignez le mot là, tout seul. Voyons Jean 16. Voilà le verset 32. Jean 16, 32. Voilà ce que Jésus a dit. Tous l'ont abandonné. Et ce jeune homme qui avait un drap autour de lui, et l'a pris. Viens ici. Et puis lui aussi s'est enfui. Jean 16, 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Où vous serez dispersés, chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Ça va être solitaire. Vous me laisserez seul. Il est laissé tout seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Chaque parole que Jésus a
prédite, a prophétisé, s'est accomplie, même jusqu'au moindre détail que personne ne sera avec lui et il livrera sa vie pour nous. Voyons Hébreux chapitre 9, 7. Hébreux 9, 7, cela parle du sacrifice de Christ. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, alors il sera notre souverain sacrificateur, il sera le prince de notre salut. Et la façon dont le souverain sacrificateur l'a fait tout seul dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur le fait tout seul. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Mais Christ maintenant va porter le fardeau, va porter le poids, il va faire le sacrifice tout seul. Verset 11 qui dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12 dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Personne ne l'a supporté, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 14 dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Maintenant, nous pouvons avoir cette rédemption éternelle, cet héritage éternel, ce salut éternel, cette réconciliation avec Dieu à cause de ce que Christ a fait. Mais rappelez-vous, il doit le faire tout seul. Voyons verset 22. Voyez la raison pour laquelle il a fait verset 22 de Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang. C'est pourquoi ceci est indispensable. C'est pourquoi le sacrifice est indescriptible et nécessaire. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de sang. Il a versé son sang, il s'est donné lui-même, il a payé le prix pour votre salut. Et maintenant, vous devez croire en ce sang qui est versé pour vous. Vous devez vous donner au Seigneur, vous devez croire au Seigneur. Parce que si vous ne le faites pas, le dernier jour, le jugement du dernier jour viendra. Et sans croire au sang versé de Christ, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de rédemption, et il n'y a pas de salut, et il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Verset 27, Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort viendra finalement. Et la fin, à la fin de la vie, la mort viendra. Et vous avez besoin du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Il a déjà versé pour le pardon de vos péchés, pour la rémission, pour la rédemption de votre âme, pour le salut de votre âme. Le sang là est déjà versé. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28 qui dit, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, qu'il porte vos péchés, qu'il porte votre culpabilité, qu'il porte votre condamnation, qu'il porte votre châtiment, qu'il ôte le jugement éternel de vous. Vous ne devez pas porter cela parce que Christ maintenant a fait le sacrifice et l'a fait tout seul.
et c'était agréé par le Père Céleste. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et il apparaîtra la seconde fois, il reviendra. Lorsqu'il reviendra, il ne va plus faire le sacrifice pour le péché. Alors, il a déjà fait une fois pour toutes. Et vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ et donner votre cœur, votre vie au Seigneur. Et maintenant, comme vous venez, alors que le juste vivra par la foi, le juste naît de nouveau par la foi, va continuer à mener sa vie par la foi, et va marcher par la foi. Vous allez comment continuer à vivre par la foi, faire tout par la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as déjà fait cela, alors il faut continuer de croire afin que ta vie que tu mets maintenant, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Nous lisons verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, voyez Jésus-Christ, il est crucifié. Il a porté vos péchés. Alors, transférez-lui votre péché. Identifiez avec lui à la croix de Calvaire afin que c'est vous qui avez péché, que c'est vous qui devez être crucifié, et il a pris votre place. Vous pouvez maintenant dire que oui, je m'identifie avec lui. Il a porté mes péchés, il a porté mon opprobre, il a porté mon angoisse, il a ôté ma souffrance. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et oui, mon ancien moi ne vit plus, mon ancienne habitude ne prend plus la partie intégrante de ma vie, mon ancien caractère ne m'environne plus, ne me pousse plus, ne me tire plus, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le vieux moi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ainsi qu'il faut vivre maintenant. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ qui vous a amené au royaume. Cela vous fait naître de nouveau. Cela vous fait être réconcilié avec Dieu. Cela vous amène à la rédemption éternelle qu'il a souffert pour vous l'acquérir. Et cette foi a commencé lorsque vous continuez à mener la vie chrétienne. Continuez comme ça, vous vivez dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors il nous dit en 1 Timothée 2, 4. Le salut est pour tout le monde, la rédemption est pour tout le monde. C'est à vous, c'est pour vous aujourd'hui, c'est pour vous cette nuit, dans ce siècle présent. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Et alors vous avez appris la trahison de Christ, vous avez appris la crucifixion de Christ, vous avez appris la souffrance de Christ, le prix qu'il a payé pour notre salut, il a payé votre prix, le prix total, vous pouvez être sauvé maintenant. Vous pouvez l'invoquer maintenant et demeurer sauvé. Et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le verset 6 qui nous dit « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ?» C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On va à Tite, chapitre 2, 14. Il a fait ceci pour vous. Il a fait pour moi. Il a fait ceci pour chacun de nous. Et qui s'est donné lui-même pour vous. Tite 2, 14. Il a fait cela pour vous, pour nous, pour nos voisins, pour tout le monde, dans ce monde, dans cette génération. Chaque personne dans chaque génération, il s'est donné lui-même pour tout le monde, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. C'est l'objectif. Vous avez appris la trahison, c'est l'objectif. Vous avez entendu parler de l'arrestation de Christ, c'est l'objectif. Vous avez entendu parler de la crucifixion, voici l'objectif. Afin de nous racheter de toute iniquité, afin qu'aucune transgression, aucun péché ne demeure dans votre vie, dans votre âme, dans votre habitude, dans votre esprit, dans votre homme intérieur, et de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Maintenant, il vous donne le zèle pour la justice.
le zèle pour la pureté, le zèle pour la sainteté, le zèle pour l'œuvre de Dieu, de bonnes œuvres. Vous êtes zélé pour de bonnes œuvres. Nous avons entendu aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous avons entendu parler de sa trahison. On a vu le fils de perdition. Et vous allez vouloir dire au Seigneur, « Seigneur, je ne serai pas un traître. Je ne serai pas fils de perdition. Je ne serai pas une fille de perdition. Je ne vais pas trahir Christ. Je ne vais pas trahir mes parents. Je ne vais pas trahir mes enfants. Je ne vais pas trahir mes voisins. Je ne vais pas trahir un ami. Je ne vais pas trahir personne. » Voici l'âge, voici le temps de trahison, la trahison. Alors comme on s'approche de l'avènement du Seigneur, je ne vais pas trahir la confiance de personne. Je ne serai pas un fils de perdition, non seulement ça, je ne serai pas une personne qui viole le commandement de Dieu, les Écritures, et couper ceci, couper cela. Je ne vais pas utiliser les armes charnelles pour agir tel que pour agir n'importe comment. Je vais aller dans la voie du Seigneur. Le Seigneur veut que je sois né de nouveau et rester spirituel. Je vais rester spirituel. Je ne vais pas utiliser les armes charnelles, aller au tribunal, aller ceci, cela, parce qu'on cherche le jugement, on cherche la justice. Je vais accepter le sacrifice de Christ, la souffrance de Christ, la supplication qu'il a faite pour moi. Je vais accepter tout ce que Christ a fait et cela sera à ma faveur. Et ce Que Jésus me purifie, qu'il me lave, qu'il m'épure, qu'il me donne le salut, et ce salut sera permanent. Je prie que tout ce que nous avons appris aujourd'hui vous soit bénéfique aujourd'hui, demain, pour le reste de votre vie. Pourquoi ne pas vous lever maintenant? Priez de vous lever maintenant, et compris ensemble, amenez tout au Seigneur en prière, disant Seigneur, je te rends grâce, te remercie pour ce que j'ai appris. Te remercie Seigneur pour ce que tu as révélé. Te remercie pour cette parole. Je l'ai vu de nouveau au sujet de la trahison. Je l'ai vu de nouveau la mise en garde que tu as donnée à la personne, à ce Judas Iscariot qui t'a trahi. J'ai vu la mise en garde, l'avertissement que tu as donné de veiller, de prier. Et je vais prendre la prudence. Je serai prudent. Je ne vais pas permettre à la trahison, à la cupidité de prendre la meilleure partie de mon argent, de ma vie plutôt, l'argent, j'ai besoin de quelque chose de plus, quelque chose de meilleur plus que l'argent, les biens de ce monde, j'ai besoin de quelque chose de plus que cela. Je vais bien me conduire dans la voie de celui qui est un véritable chrétien. Je vais rester chrétien, je vais demeurer chrétien. Et quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que les gens ôtent de moi, quelle que soit l'oppression, la persécution, je vais me conduire de façon à être agréable à toi comme un chrétien. Je ne serai pas un traître. Parle au Seigneur. Ou pas dire que cela ne peut m'arriver. Ou pas dire que je ne peux pas l'être. Veillez, priez. Il faut prier pour que vous ne tombiez pas dans le piège de Satan pour devenir un traître, et que vous ne vous associez pas avec la cohorte des traîtres, que vous ne vous environnez pas des compromettants, que vous ne vous enveloppez pas de ceux qui aiment le conflit, de ceux qui aiment se battre. N'allez pas vous environner de ceux qui aiment la confrontation, ceux qui aiment crier, ceux qui portent l'épée, ceux qui portent ceci et cela. Vous me serez quelqu'un qui marche sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, sur les traces du Seigneur Jésus. N'allez pas consulter ceci et cela lorsque vous avez un problème de mariage. Alors vous allez rapporter cela à votre père, rapporter cela à votre belle famille. Et puis où vas-tu? Non, mon cœur bouillonne. Pourquoi votre cœur doit bouillonner? Il ne faut pas permettre à votre cœur, votre tempérament de bouillonner. Calmez-vous et ayez. Il ne faut pas avoir une consultation avec les méchants pour votre famille. Ils vont détruire votre famille pour vous. Ils vont tuer votre famille pour vous. Alors nous allons l'éliminer pour toi. Non, nous allons l'éliminer pour toi. Il ne faut pas faire cela. Il faut parler au Seigneur. Seigneur, quel que soit ce que je souffre, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la persécution, quelle que soit la mauvaise représentation, je ne vais jamais consulter avec personne.
je ne vais jamais consulter quelqu'un pour détruire quelqu'un. Et n'ayez pas la cruauté, n'ayez pas l'opiniâtreté, n'ayez pas le cœur froid, la dureté de cœur des incroyants avec quelqu'un. Ayez une conscience tendre afin de ne chercher à faire du mal à personne. Avez-vous appris qu'au temps de ce confinement, il y a beaucoup de combats, peu de choses, il y a le combat, il y a le tempérament dans la famille parce qu'ils sont là à tout moment et parce que ils n'ont pas vu l'œuf, ils n'étaient pas ensemble pour un long moment parce qu'il y a le confinement, donc on doit rester ensemble. Alors, faut pas permettre cela, que cela se passe. Frères et sœurs, vous êtes les parents, vous êtes à la maison avec vos parents, faut pas se battre à la maison, faut pas se battre dans le district, que on distribue ceci, cela, et pour moi. On a appris que on distribue ceci et ceci. Est-ce que c'est parce que je suis dans une église de langue? Faut pas vous battre. N'ayez pas la dureté, l'endurcissement de ceux qui ne connaissent pas Christ. Faut pas avoir un cœur opiniâtre rebelle. C'est à cause de la condamnation du traître, à cause de la damnation du destructeur. Et puis le Seigneur nous dit que nous ne devons pas faire usage des âmes charnelles. Rappelez-vous de l'Éternel. Faut pas violer l'Écriture. Faut pas désobéir à l'Écriture. Faut pas utiliser des âmes charnelles. Faut pas même secrètement. Ton frère ne peut ne pas le savoir. Ton mari, ta femme peut ne pas le savoir. Faut pas utiliser des âmes charnelles. L'étranger peut ne pas le savoir. Le pécheur peut ne pas le savoir. Quelqu'un vous a fait du mal. Et puis la personne a des difficultés. Faut pas dire que Dieu l'a attrapé. C'est pourquoi c'est bon. C'est pourquoi il mérite cela. Faut pas dire cela. Faut pas parler comme un incroyant. Que votre cœur soit pur. Que votre cœur soit pacifique. Et faut pas souhaiter le mal à quelqu'un. Même votre ennemi le plus terrible, faut pas lui souhaiter le mal. N'utilisez pas un sentiment. Faut pas utiliser des méthodes charnelles. Ayez le sentiment, les sentiments de Christ, et soyez courageux. N'ayez pas prenez le courage de Christ. Vous n'êtes pas victime, mais il faut supporter. Même si vous avez les souffrances, vous supportez comme Christ. Vous n'êtes pas peur. Vous avez la confiance en Dieu. Vous avez le courage en Dieu. Vous avez une vigilance empreinte de courage dans ce présent siècle. Dieu merci, il est mort pour vous. Et Dieu merci, Christ s'est soumis pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il a soumis sa vie. Il a donné sa vie. Il a fait le sacrifice. À cause de cela, maintenant, vos péchés sont pardonnés. À cause de cela, maintenant, votre âme est sauvée. À cause de cela, maintenant, vous pouvez être sanctifié. À cause de cela, maintenant, vous êtes racheté. À cause de cela, maintenant, vous êtes rendu saint et vous marchez par la foi maintenant. Et vous pouvez maintenant mener une vie de sainteté, une vie de justice ici sur la terre. Quel que soit ce qui se passe, vous pouvez marcher avec Christ. Vous êtes crucifié avec lui. Vous vivez dans la foi au Fils de Dieu qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous. Et rendez-lui grâce et croyez-le que vos péchés sont pardonnés. Croyez-le qu'il a payé le prix pour vous. Il n'y a rien d'autre à faire pour que vous soyez pardonné, pour que vous soyez sauvé, pour que vous teniez ferme dans l'Écriture et que vous teniez bon avec courage, ayant la victoire plus que vainqueur dans votre vie. Vous pouvez maintenant marcher dans la foi en lui et le salut est pour vous. Et rendez-lui grâce. Gloire à Dieu, le Seigneur l'a fait. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions parce que tu as donné ton Fils unique pour notre salut, pour notre rédemption. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu n'étais pas évadé, tu n'as pas fui, tu as porté l'opprobre, tu as porté l'angoisse, nos péchés, la souffrance, et tu as ôté la culpabilité, la condamnation pour nous. Seigneur, maintenant tu as dit
que tout le monde, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons. Chacun de nous t'invoque. Quiconque a entendu cette étude, quiconque a écouté cette étude, t'invoque. Je prie que tu accordes l'assurance du salut à tout le monde au nom de Jésus-Christ. L'assurance d'être réconcilié avec joie, avec toi. Nous pouvons marcher maintenant dans la justice de Christ. Accorde l'assurance là à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme nous parcourons la vie, et beaucoup de choses pourraient arriver. Quelles soient les choses qui arriveront, donne-nous, Seigneur, la même conformité avec la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que nous marchions avec courage, que nous soyons calmes, avec confiance, et que nous soyons consacrés, et que nous marchions dans la justice et dans la sainteté sans interruption, et que nous ne usions pas de représailles, et que nous n'utilisions pas les armes du monde, mais que nous vivions tel que tu le veux, et que embellis notre vie avec la sainteté et la justice. Que notre esprit, notre tempérament, notre attitude, notre âme, notre vie intérieure soit conforme au Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Lorsque nous cessons de combattre pour nous-mêmes, tu vas combattre pour chacun de tes enfants. Protège ton peuple, préserve ton peuple et aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher dans le chemin du devoir jusqu'à ce que nous te voyons face à face au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.